Bienvenue sur la première vidéo de DIY Hero. Aujourd'hui, nous allons créer un tableau sur le thème de One Piece. C'est parti! Pour ce DIY, on va recycler un tome de One Piece dont les pages se détachent. Toutes nos pages sont détachées, on va pouvoir les encoller. Nous allons utiliser de la colle vinylique pour cela. On applique une fine couche avec un pinceau sur notre toile. Par-dessus, on applique nos pages et on repasse le pinceau avec de la colle. Sur les côtés, comme ma toile est en relief, je vais laisser déborder mes pages. Une fois séché, je peux faire le retour. Je vais laisser sécher et je vais enlever le surplus. Comme vous pouvez le voir, je le fais aussi avec les deux derniers côtés. Une fois cette étape terminée, il ne restera plus qu'à enlever le surplus et à coller tous les angles. Maintenant, on va s'occuper de l'illustration du tableau. Pour cela, je vais dans Google Images et je tape One Piece. Dans Outils, je vais sélectionner Taille et Grande Image. Je prends le logo et je cherche un Luffy qui me plaît. Une fois les images sélectionnées, je vais sous Illustrator créer un montage. Pour avoir plus de choix lors de l'impression, je fais deux présentations différentes. Pour imprimer le personnage à la taille désirée, je vais diviser le document en plusieurs pages. Pour cela, je convertis le document en PDF. Une fois imprimé, nous allons enlever tout le blanc qui n'est pas nécessaire autour du personnage et du logo. Pour cela, nous utilisons ciseaux et aussi petit scalpel. Attention aux doigts. Voici la dernière étape. Je vais encoller les différents morceaux du personnage ensemble à l'aide de colle U
et je fais la même chose avec le logo. Et nous en collons le personnage et le logo directement sur la toile. Comme pour les pages du manga, nous appliquons une fine couche de colle dessous le personnage et sur le personnage. Il ne reste plus qu'à laisser sécher. Et voilà, la toile est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à réaliser vos propres toiles. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau DIY Hero.